Salut, je suis avec mon père et aujourd'hui on va reprendre la phytoépuration. Oui, salut tout le monde. Et donc aujourd'hui on va s'occuper des bacs de filtration horizontale. Donc on va d'abord boucher les trous qui sont au fond. Ensuite on va aussi mettre les deux robinets en Y ici pour faire la séparation des deux. Et on va faire aussi donc le fond mettre les tuyaux en PVC pour faire une espèce de fourche qui va récupérer l'eau. Alors là, l'eau, elle va arriver ici. Elle va rentrer là, tac, par le dessus. Là, on va avoir un système comme une branche où l'eau, elle va descendre et se diffuser partout avec plein de petits trous. Ça va traverser les trois couches, donc pouzzolane, gravier, sable et caillou. Donc là, on va récupérer donc là, avec un système de tuyaux percés. L'eau, elle va traverser dedans. Elle va ressortir ici. Elle va continuer jusqu'au prochain bac. Le prochain bac, ça sera donc un vertical. Lui, il va être à moitié dans ce principe-là, l'autre moitié dans le principe du dernier. Ça veut dire qu'en fait, l'eau, elle va quand même arriver par le haut. Et elle va ressortir par contre à mi-hauteur. Et elle va du coup traverser comme ça en fait. Que le dernier par contre, ça arrive par le haut, donc par le haut du bac. Et ça ressort par le haut du bac. Donc en fait, il sera pratiquement toujours plein d'eau. C'est lui où on met des plantes aquatiques, puisque c'est là où l'eau est la plus pure. Donc là, aujourd'hui, on va déjà s'attarder sur celui-ci et avancer un maximum là-dessus pour que demain, en espérant que ça a encore un peu séché, que le beau temps soit là et qu'on puisse finir la partie basse. C'est pas la plus compliquée, la partie basse. Il reste plus grand-chose et c'est le plus chiant, c'était jusqu'ici. Alors, donc là, on va tout faire en double parce qu'on en a deux. Un truc comme ça, ça comme ça, voilà. C'est pas mal. Alors, donc j'ai trouvé ça comme vanne. Donc on va voir si on s'en sort avec ça. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. C'est réglable. Donc ça, comme ça va aller là. Bon, lui, il n'y aura déjà pas besoin de grand chose. Il faut un petit tuyau. Alors, on va essayer. Tiens.
colle. Voilà. Et tu mets le petit tuyau tout en bas. On va pas le couler tout de suite, on va le faire à la dernière seconde. Voilà. Voilà. Alors là, on va le monter à blanc pour faire les percements. On va aller voir Adrien. Bonjour, on attaque une nouvelle journée. Salut. Hier, on a fait tout ça, on a fait les fourches à l'intérieur. Les fourches. Bah c'est comme ça que t'appelais ça. Je sais pas, ouais. Bah, je utilise tes mots. Hein. Oui, bah, c'est pas parce que je dis des conneries, tu dois les répéter. Bah c'est. Oui, bah c'est non, mais bah, oui. Qu'on a, disposé en forme de fourche et ouais, qu'on a voilà. Percé pour que l'eau puisse rentrer dedans. Attends, je sais pas si on voit là. Donc là, mon père, il va mettre la première couche, donc ça va être des gros cailloux. Ensuite, la deuxième couche, ça va être des graviers, ouais. Faut que j'aille les chercher, déjà même. Et donc, pendant que mon père remplit les bacs, moi, de l'autre côté, je vais continuer à creuser pour mettre le... l'autre bac, voilà, celui qui est là-bas, tout au bout, qui va se trouver ici. Et après le dernier, il se trouvera à peu près où il est. Donc là, il faut juste creuser pour mettre le bac à hauteur du sol, puisque en fait, de toute façon, on l'a placé à l'endroit pour que avec la pente, on soit bien là. Ok, bon bah on y va alors. Bon bah allez, c'est parti. Donc du coup, on a oublié de mettre la ventilation. On avait dit qu'on la mettrait en dernier, on a oublié. Donc c'est juste un tuyau qui va remonter comme ça. Et qui va justement pouvoir faire de l'air là. Donc là, on va percer quelques trous ici sur la couche basse. Donc que sur la couche basse où il y a les cailloux. Sur le reste, on n'en mettra pas. Et on va pouvoir comme ça faire circuler de l'air dedans quand il n'y a pas d'eau. Pour oxygéner le truc. Donc là, on perce quelques trous. Bon, ça suffit là.
Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc là, je vais lui mettre un petit bout de tuyau là. Et voilà. Donc là c'est juste qu'il sorte à peu près droit. Voilà. Bon ben voilà, donc faudra pas faire la même connerie sur les autres. Hein. Donc ça après ben, les tuyaux on les coupera à peu près à cette hauteur là, juste quelques centimètres au-dessus du pouzzoulane. Et on mettra un petit chapeau de ventilation. Donc je pense que je vais prendre comme c'est du 40 des systèmes pour la plomberie là qui font que le chapeau ce sera propre. J'en ai commandé deux là, j'ai vu là, pas trop cher pour voir ce que ça donnait. Donc si ça marche bien, après on en mettra partout. Et qui servira donc à ventiler le fond pour pas que ça pourrisse. Il faut toujours laisser de l'oxygène aux plantes.
Alors voilà, on a d'abord mis le tuyau pour relier ces deux bacs là aux deux autres bacs là-bas. Donc après on l'a recouvert de sable. Et là donc mon père il a mis les pierres dans ces deux bacs là. Et après on va rajouter du gravier. Ouais, donc là alors on va les remplir parce que là on va finir de remettre les terres maintenant que le sable est, et puis ils annoncent de la pluie encore toute la semaine, donc si on fait pas ça aujourd'hui on va encore être sous la pluie, donc on a déjà dû arrêter presque 10 jours, donc ça serait bien que ces deux là soient finis complètement aujourd'hui. Donc voilà, donc on va pouvoir les mettre en eau comme ça une fois qu'ils seront remplis, et pouvoir remblayer la terre ici. Parce que là, bon, c'est déjà le carnage, là, le terrain, il a pris un sacré coup avec l'humidité. Donc que tout soit rebouché, ça serait pas mal. Que ça soit propre, comme on avait déjà fait là. Et là, au moins comme ça, on peut passer aussi, parce que là, du coup, il n'y a plus trop de passage. Donc là, on a mis une couche de grosse pierre. Donc c'est de la pierre qu'on récupère ici. Hein. Au-dessus, une couche un tout petit peu moins grosse. Et maintenant, on va mettre une couche de gravier. Comme ça. Donc on va remonter à peu près là jusqu'à la moitié, une petite moitié, et après on finira en pouzzoulane. C'est bon ? Alors donc du coup là on est en train de faire le petit système qui va épandre l'eau un peu partout. Donc on a fait des petites entailles comme ça à la meuleuse, on fait des trous en dessous comme ça. Voilà. Donc bien mettre les trous en dessous. Et après, donc du coup, on n'aurait plus qu'à le brancher pour que l'eau se diffuse partout. Un petit peu incliné par là. On voit bien toute l'eau qui s'en va bien partout. Et après, de toute façon, là, il y a les graviers, ben, les pouzzoulanes qui vont être remplis à fond. Et on va tout recouvrir le tuyau, comme ça, on ne le verra plus. On va remonter jusqu'ici. Et ça se diffusera à l'intérieur du pouzzoulane grâce au truc. Il faut que tout sera rempli. Comme ça, la filtration, elle se met bien partout. C'est pas juste au bout. Et là, donc du coup, on entend l'eau qui coule, là. Donc là, c'est pour essayer. Donc là, après, une fois que ça a traversé tout le filtre, ça s'en va là-bas. Alors voilà, on a fini pour aujourd'hui. Donc la vidéo touche à sa fin. On a fait donc ces deux bacs là, et la prochaine fois on fera donc les deux autres bacs, et après viendra la partie où on plantera tout ce qu'il y a à planter. Ouais. Donc là c'est pour ça qu'on n'a pas mis les pouzzoulanes jusqu'au maximum, ça va venir à ras, mais il faut d'abord mettre les plantes et après on finira de mettre le pouzzoulanes. Et là l'autre côté, donc du coup donc on a tout mis en eau, on a tout testé, tout fonctionne bien. Oui, donc là on voit que ça arrive dans le premier. Après là donc du coup ça va percer pour rejoindre les deux, et ça fera par débordement dans l'autre. Et donc là c'est la filtration verticale. Du coup dans le premier bac qui est là, du coup il y aura des iris, et dans le second il y aura des plantes d'eau. Donc voilà, donc n'oubliez pas les pouces hein, surtout, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis bah du coup mot de la fin. Bah, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine aussi. Oui, n'oubliez pas de regarder le prochain épisode. le prochain, peut-être dernier épisode, question ouais, terrassement. Ouais. Ben, peut-être pas terrassement, mais question phyto, on sera pratiquement à la fin. Donc voilà, allez, bye.